Salut les Batfans! Comme son nom l'indique, Nightwing dépose ses valises à Blue Devon pour y vivre des aventures en solo. Attention, cette histoire date de la fin des années 90, ça n'a donc rien à voir avec la saga Nightwing Rebirth que j'avais super kiffé. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo, souviens-toi. Étant fan du personnage, j'étais très curieux de savoir ce qu'il avait vécu avant l'ère Flashpoint. C'est d'ailleurs la seule grande histoire que l'on dispose actuellement. C'est sa première grande enquête en tant que Nightwing. Est-ce que ça vaut le coup? Verdict? Non, passe ton chemin. C'est vraiment mauvais. J'ai dû me forcer à le terminer, et en plus en plusieurs reprises. Le récit, les dessins, rien. Rien ne sauve les meubles. À part la couverture qui est franchement cool et qui mériterait un encadrement. Bon. Il y a quand même quelques blagues, ci et là, mais c'est parce que j'adore le personnage et quoi qu'il fasse, il me fera toujours rire. Je suis un bon client. Et puis, c'est quand même dans cette aventure que Nightwing laissera tomber une bonne fois pour toutes cette atroce queue de cheval pour la coupe de cheveux qu'on lui connaît actuellement. Rien que pour ça, c'est collector et je garde l'album dans ma bibliothèque. 5,90€, c'est son prix et c'est assez approprié finalement. Il n'en faut pas plus. Pour toutes ces raisons, je lui donne 1/10. Toi aussi, vis ta Bat Life à fond.